C'est un djihad contre le passé et l'histoire. Depuis plusieurs semaines, les membres de l'État islamique détruisent des vestiges historiques en Irak et en Syrie. Après les inestimables statues du musée de Mossoul, dont certains originaux se trouvent en fait dans des musées occidentaux, et après la destruction au bulldozer de la cité trois fois millénaire de Nimroud, c'est Atra qui a été visée par les djihadistes. La cité fortifiée était réputée pour être particulièrement bien conservée et pour mélanger art et architecture orientale et occidentale. Face à ce massacre culturel, le gouvernement irakien a demandé ce dimanche l'intervention de la coalition, notamment par le biais de frappes aériennes. Le ciel n'est pas entre les mains des Irakiens, il n'est pas entre nos mains. Donc la communauté internationale doit faire avec ce qu'elle a. Ce que je demande à la communauté internationale et à la coalition internationale, c'est de frapper le terrorisme où qu'il soit. Certains Irakiens accusent directement la coalition menée par les États-Unis de n'avoir rien fait pour sauver ces joyaux historiques. La destruction de la ville de Hatra et du site archéologique Nimroud la semaine dernière par des bulldozers est une grave erreur. La coalition internationale aurait dû surveiller les mouvements des engins lourds de l'État islamique et les empêcher d'agir. Faute de troupes suffisantes, l'armée irakienne est incapable de protéger ses sites historiques. La majorité des soldats sont mobilisés autour de la ville de Tikrit, plus au sud, qu'ils tentent de reprendre aux mains des djihadistes.